Allez, bonjour à tous, ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon let's play sur le jeu sport. Alors on se retrouve en phase civilisation. Ouh, on attaque un gisement d'épices, ça commence bien. Eh ben, je suppose que c'est celui-là, oui. Donc, véhicule religieux, je m'en fous, j'ai des véhicules unitaires. Ils vont rapidement te défoncer ce gisement avant qu'il se fasse capturer. En plus, ils vont super vite, c'est... Voilà. Tranquille, pépère. Ça devrait aller, je pense qu'il y a suffisamment de puissance. Par contre, ils vont commencer à attaquer. Il va falloir que je me méfie. Donc on le voit ici aussi, hein. Il commence à réattaquer. Je pense que je vais me le faire choper au final. C'est pour ça que je vais vendre tous mes véhicules religieux qui sont ici. Hop. À la poubelle, donc d'ailleurs ça me rembourse. Oh la vache, tout le fric que j'ai. Et je vais m'occuper de faire un véhicule, des véhicules maritimes. Tiens, ben il reste lui. Donc, on va s'occuper de créer rapidement, enfin plutôt rapidement, un véhicule religieux marin. Donc, on va faire pareil, sac à PV. Non, on va faire différent. On va faire un sac à PV. On va faire un sac à PV et comment dire, et beaucoup de religion. Pas très rapide, mais gros sac à PV, ça sera sympa. Voilà, ça c'est bien. Donc pas forcé d'être trop rapide. On va mettre quelque chose quand même, hein. Voilà, ça ça devrait aller. En plus ça le fait. Je vais le descendre un peu quand même. Et descendre tout le bateau. Histoire que ce soit un peu plus logique. Voilà. Ça c'est bien. Donc 45% vie, 45% vitesse, c'est pas ça que je cherche. Donc on va mettre d'autres choses. Ouh, c'est énorme ça. Faut que je réduise. 40% de religieux, 30% de vie, 30% de vitesse. Je vais essayer d'augmenter la vie encore un peu. Et la nacelle de verre. Hop, 42% vie, 33% religion, 25% vitesse, c'est nickel. On va prendre un truc prédéfini, je pense. Un modèle prédéfini, non, non. Je vais essayer de chercher un joli modèle, quand même. Non, non, non. Pas tellement. Celui-là, peut-être qu'il me plaît le plus. On va l'appeler Religious. Ship. Voilà. J'ai pas trop d'inspiration, hein, je suis désolé. Mais non, c'est jamais trop mon fort. Allez. Ça, c'est de l'armada. A l'aide de tout ça, on va commencer à attaquer ceci. D'ailleurs, je crois qu'il y a un... Nation framboise a conquis... Génial, ils ont trois villes. Bon allez, hop, on va convertir celle-là. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un problème de texture là. Donc là, c'en est où? Faudrait que je le rachète un jour ou l'autre. Au pire, ça me fait de l'argent. Et calmez-vous. Hop. Ouh. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait super mal. J'ai suffisamment d'unités pour défoncer tout. Les unités d'un coup. Nécessite plus de maisons. Il faudrait plus de villes. Ah, d'accord. Bon, ok. Ils ont piqué mon gisement d'épiche. Quoi, 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 quoi. Votre vie est attaquée. Défendez-la en disposant des tourelles, en jetant des bâtiments ou en renforçant le moral des habitants. Où est-ce que je suis attaqué? Je suis attaqué tout tard. Ah mais c'est par l'ogre. Ah bah évidemment. Bon bah il va se faire descendre, hein. Sauf s'il attaque. Voilà. Donc de ce côté là, ça a l'air de bien aller. En tout cas pas trop mal. Ça augmente petit à petit. Donc j'ai pris ce gisement d'épices là.
Là, je crois qu'il y a quelque chose. Ah bah tiens. Ils se battent pour ça. Ah, bah j'ai chopé, ça y est. Donc comme c'est une ville religieuse, je ne pourrai pas changer, ça sera aussi une ville religieuse. Voilà. Ouais, ça y est, j'ai chopé encore une nouvelle ville. Ah, bah voilà. J'ai débloqué les avions. Ça y est. Donc là maintenant j'ai les avions. Par contre c'est le bordel en ce moment là. Oui je suis attaqué, je sais. C'est gentiment en train d'attaquer. On va remettre une tourelle d'ailleurs. D'ailleurs si je peux en mettre une là et que ça puisse taper. Voilà. Donc ici c'est bon. Non là c'est pas bon. Quoi 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 quoi. Attendez, je me fais attaquer de toutes parts, c'est vraiment la galère. D'accord. Ok. On supprime tous les religieux. Et on fait un paquet de véhicules terrestres. Allez hop. Ah cherchez pas les gars, vous allez perdre. Là, ce petit jeu. En fait, au début, il faut choper un maximum de gisements d'épices. Et après, ça passe tranquille. Alors, je vais virer tout ça parce qu'il faut que je refasse cette ville. Par contre, l'agencement était pas mal quand même. Alors, voilà. Donc là, on a 3 de plus. On peut monter à 4. On va pouvoir mettre des usines. Ah, ça m'embête. La configuration est un peu pourrie là quand même. C'était plutôt bien le truc, là on mettait une usine là. Non par contre je suis à 2 en dessous, c'est pas du tout ce qu'il faut. Mettre un complexe de loisirs, voilà. Je suis à 2 supérieurs, j'ai plus 1200. On met des tourelles. Voilà. C'est nickel. Donc là je me fais attaquer. Je me suis fait choper d'ailleurs mon point d'épice. Donc de ce côté là c'est bon. Eux, ils arriveront pas de toute façon. Je vais demander quelques véhicules marins pour aller choper ce gisement là. Et donc moi je vais attaquer par la terre. Déjà ça hein. Et ensuite, je vais attaquer par la terre celle-ci et celle-là de ville. Donc, un gisement supplémentaire. 1. Donc là, c'est bon. Ça, je m'en occupe. Et ben, allons-y. Allons-y. Donc, on va attaquer la ville suivante. Calmez-vous. Donc là, il y a les bleus qui m'attaquent. Génial. Si tu pouvais t'en occuper. Voilà. Donc de ce côté-là, je me suis encore fait choper ce satané point d'épices. On y retourne. Là, il n'y a plus d'ogres. Ok, c'est bon. Cette ville-là se fait attaquer. Ouhou. On va en enlever quelques-uns là quand même. C'est le foutoir. Voilà. Nation Citron a disparu. Bon bah ça se joue entre les bleus, les rouges et moi. Donc. Alors déplacez-vous ici. Là c'est bon. Voilà, là il s'occupe de celui-là. Et ben allons-y maintenant. On va finir par y arriver. Convertir la ville.
On convertit cette ville et ensuite ça devrait aller. Alors, on va s'occuper de cette ville comme ceci. Hop. On essaie de prendre le contrôle de la ville. Ah, ils vont prendre... Oh, qui commence à m'énerver. Honnêtement, là, je commence à vraiment être énervé de faire des allers-retours. Yann, mes fesses. Qui arrête pas de faire la même chose. Donc là, c'est un point maritime. Ouais, c'est un point maritime. Donc, je vais aller chercher, hein. Ce côté-là, ça donne quoi? Votre ville, Cabucine, est attaquée. Ah, youpi, je suis attaqué. Ça fera jamais que la 500e fois. Donc là, je vais me faire attaquer aussi, je sens bien. Donc vous occupez de cette ville là, s'il vous plaît, là. Que je puisse avoir un peu de marge de manœuvre. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Je pensais pas que c'était aussi difficile, la version religieuse. D'habitude, c'est assez simple. Bon, ok. Plus qu'une ville rouge. C'était des religieux aussi. Bon. Ok. Donc là aussi c'est des religieux. Donc, pause. Enfin pause. Façon de parler. Pause. Donc il y a quelques problèmes parce que c'est plutôt pas mal le fait qu'il y ait beaucoup d'usines, mais il y en a peut-être un peu trop en fait. Hop. C'était quoi, ils avaient foutu? Ils avaient pas foutu ça quand même. Voilà. Plus 3200, ça suffit. D'ailleurs ça va être... Non, plus 3200 tout court, d'accord. Ok, donc à partir de là. Donc, on va récupérer ce point. Ok, on a ce point. On a perdu celui-là. Ces véhicules-là vont s'occuper de celui-là. Et il va plus que me rester... Bon. Je crois qu'ils essaient aussi de m'attaquer. Je vais me faire péter cette usine, ça m'embête. Hop. On la remplace, hein. On la remplace, mais là il va falloir vraiment, vraiment que j'investisse autrement. Ok, c'est le foutoir, vous savez quoi. Hop, on va les prendre tous. On prend les militaires. On les détruit. Et on va se faire des avions. On va se faire des avions, hein. Ça commence à me saouler. J'ai dit qu'on allait s'en faire un, mais bon. Hop, on va faire un nouveau. Ah, pardon, je me remplace sur la chaise. Donc, on va se faire quelque chose d'assez... bizarre. Une luge à l'envers, on va commencer. On va se mettre un cockpit comme ça. Je vais essayer de le faire ultra bourrin niveau religion. Non, ça c'est moche. Stratoréacteur. Ouais, on va faire un truc à 75% vitesse, c'est monstrueux. On va faire un truc ultra bourrin niveau religion. Allez hop. C'était peut-être pas le meilleur. Voilà. 58 en religion. Pou et 32 en vitesse. C'est nickel. Alors, religious. Aerian. Ship. Est-ce que j'ai la place? Yep. J'ai la place. Donc, alors. Voilà, ça c'est bon. On va peut-être mettre quelques décos dessus quand même.
Marrant. Non, ça c'est moche. Ça c'est pas trop mal. Les petits trucs qu'on va... Non, c'est pas ça que je voulais réduire. Ça, on va les réduire. Je trouve ça génial quand même l'édition hein, dans ce jeu. Qui est franchement bien foutu. Hop. Et on va partir avec ça. Et on va en faire plein. On va en faire un paquet, un bon gros paquet, histoire d'être tranquille. Surtout qu'ils vont assez vite. Par contre, ça coûte la peau des fesses. Mais c'est pas grave. Là, je martèle sur ma souris. Ça, ça va être du lourd. Mais vraiment du très très lourd. Bizarrement, ils se tirent. Donc, vous allez m'attaquer ça. Qu'est-ce qu'ils ont pété? Ils ont pété la tourelle? Et bah, qu'à cela ne tienne, on la remet. Hop. Et en sachant que j'ai oublié de vous montrer ça, donc là, diplomatie qui améliore vos relations avec la nation visée, ferme les complexes de loisirs et tourelles provoquant le malheur des citoyens. Pas ça que je cherche, invulnérabilité, pas ça que je cherche non plus. Wow, wow, wow. C'est super puissant leur truc. Oh la vache. J'aurais où ils viennent me détruire. Oh la vache. Ça a beau être super puissant, c'est incroyable parce que ça... Bon, ok, d'accord. Je crois que j'ai compris. On va mettre un truc d'invulnérabilité ici au passage. Allez hop. Mais j'ai dit que j'étais invulnérable ici. C'est quoi ce bordel? J'étais pas censé être invulnérable avec ça? C'est bizarre quand même. Bon allez, on va prendre tous nos véhicules. Comment ça on attaque un de mes gisements d'épices? Quand même, ça me saoulait avec attaquer mes gisements d'épices comme ça. Je suis attaqué, mais oui je sais que je suis attaqué. Et en fait il me faudrait une ville de plus débloquer ceci qui me permet de gagner toutes les villes d'un coup. Vous savez quoi, là on est en train de perdre tous nos vaisseaux, ça sert à rien, c'est un massacre plus qu'autre chose. On va se mettre ici. Je crois que voilà. On va dégager avant que l'ogre défonce nous aussi. Et ben vous savez quoi, on va attaquer directement ici. Hein. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre des véhicules maritimes militaires. Allez, vous savez quoi, on va le faire. Putain, j'ai plus de maison, j'ai plus de place. Et ben on va le faire. Ah non, j'ai surtout plus de fric. J'ai surtout plus de fric. Bon c'est pas grave, de toute façon. Je vais y arriver rapidement. Dès que je me serai débarrassé de la nation rouge, ça ira beaucoup mieux. Vous savez quoi, vous avez qu'à attaquer là-haut. C'est pas facile, hein. Honnêtement c'est pas facile. Faut que je fasse pas mal de manip. Surtout que là cette ville là, elle galère un peu. Allez, récupérer, ça y est, enfin. C'est des religieux aussi. Ça mitraille là aussi sur le côté. Normal. Là, on voit aussi là, les tirs de... Ça y est, il n'y a plus de nation rouge. Je vais pouvoir me défouler un petit peu. Déjà, je vais me défouler là-dessus. C'est-à-dire que je vais refaire tout ça. Donc, ceci, un complexe. Une usine, une villa et un autre complexe. Et voilà, parfait. Ça a été rapide. Et donc là, maintenant, ce que je peux faire, je vire tous mes véhicules militaires, je vire tous mes véhicules religieux. Je vais prendre des véhicules terrestres. Oui, ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes.
Attendez, non. Un dernier véhicule maritime pour ici. Je vais récupérer les derniers points qui me manquent. Oula, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? D'accord, je vois. Je vois, je vois. Bon, et ben allons-y alors. Toujours la course. Ça va être pareil, il va falloir se battre. Bon, ok. Non, je vais pas le supprimer parce qu'ils vont arriver en continu. Je sais pas qui va gagner entre ces deux là, c'est pas grave. Donc, quelqu'un s'en est occupé de celui-là? Non. Je vais pas tarder à vous laisser. Allez hop. Ça n'a pas été facile, je sais pas si c'était très intéressant à regarder, mais franchement ça a vraiment pas été facile. Reste cette ville là. Est-ce que je peux pas l'acheter? Ah, il faudrait que je l'achète. J'ai pas envie de l'attaquer en fait. Quoique je pourrais le faire rapidement. Hein. Je pourrais le faire rapidement et dans le prochain épisode, on fait le soulèvement fanatique. Oui, je suis attaqué, je sais que je suis attaqué. Je suis toujours attaqué partout de toute façon. Comment ils font pour m'attaquer à cette distance-là avec un bateau? Ok, bah j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas... Eh merde, je me suis fait avoir. N'hésitez pas à venir à mettre des commentaires dans la vidéo, ça me fait toujours plaisir, je les lis tous, et j'y réponds quand je peux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à discuter avec moi sur Twitter, etc. Ok, bah à la prochaine, salut à tous !